C'est Robert de Marc. Vous, vous êtes un des passionnés de Welsh. Vous êtes tombé dans la cassolette quand vous étiez petit. Alors, quand même pas, mais disons que ça fait bien 15-20 ans, en effet, que j'aime beaucoup ce plat, en fait. Et j'ai créé une page, si vous voulez, sur laquelle, en fait, je vais référencer les meilleurs Welsh de la région, donc qui peuvent se trouver à Sizouin, à Marquette, à Lille, à Villeneuve-d'Ascq, à Hem, dans plein de villes de la métropole. Et donc, vous les goûtez ? Et je les goûte, tout à fait. Et dès que je vais dans un restaurant qui propose un Welsh, je vais le goûter. Parfois, j'ai des bonnes surprises, des fois des mauvaises, mais le but de ma page Facebook, c'est surtout de mettre en avant les bons pour que justement ce plat, pour le revaloriser, parce que comme disait juste avant Anthony, les gens qui viennent de Paris ou d'ailleurs en France, souvent, ils connaissent évidemment les frites, la carbonade flamande et le Welsh. Et malheureusement, parfois, ils goûtent les mauvais. Et moi, je voudrais justement qu'ils goûtent les bons pour justement... Vous avez une idée du nombre de Welsh que vous avez goûté? Parce que vous en goûtez pas mal dans le film, déjà. Tout à fait. J'en ai goûté 67 différents. Donc, en 15-20 ans, à peu près 15 ans. Ouais. Ce qui est curieux dans le documentaire, sans tout dévoiler, c'est que les Anglais semblent avoir un peu perdu.